Et c'est vraiment en balade que j'ai trouvé, pour ma part, l'intérêt majeur, puisque plus la balade est longue, plus l'étrier prend de l'importance, évidemment. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant d'être confortable. Ça me paraît complètement évident, puisque si je suis mal dans mes étriers, je vais automatiquement faire porter mon poids sur le bassin. Hein, tout mon poids va être sur la selle, donc sur le dos du cheval. Et obligatoirement, le cheval va le ressentir. Si je suis bien dans mes étriers, je vais répartir mon poids d'une façon beaucoup plus confortable pour moi. Donc j'aurai moins de mouvements de contraction musculaire et de mouvements parasites pour le cheval. Ça me paraît d'une évidence totale. De toute façon, plus moi je vais être confortable, et donc je vais être détendu, et automatiquement, je vais avoir une meilleure communication avec le cheval. Si je me sens bien dans mes pieds, dans ma selle et dans ma tête, c'est certain que le cheval va le ressentir.